écrit comme données de l'estrime. Le tout étant de savoir, est-ce que tu poursuis le clat de Pessa ou est-ce que tu t'en sers comme prétexte pour aller jusqu'à Yagotal? Parce que de ce que je sais, Domil, j'ai oublié le nom, mais il est à Yagotalv ou il est à Talbetav? Bah, d'après les informations qu'on t'a dit, il serait à l'intérieur de Yagotal. C'est là-bas qu'il serait. Bon, ben je vais y aller, histoire de faire d'une pierre deux coups. C'est là que je me rappelle. Juste petite question. Ouais. Les objets dont on a parlé, je les ai déjà sur moi ou je vais les avoir? Tu vas les avoir. Très bien, très bien, très bien. Ça marche. Les 13 et longue distance, c'est génial. J'ai toujours pas gardé ça, moi. Déplacement longue distance. Voilà. C'est ça que je voulais. Sachant que toi, tu es à pied. Et je profite de mon armure, de mon cuir clouté glamour, pour, grâce à la magie de l'objet, me faire passer ma tenue pour celle d'un vagabond. Parce qu'effectivement, l'effet de cuir clouté glamour, c'est que je peux, d'un simple claquement de doigts, complètement changer, l'apparence de ma tenue. D'accord. C'est de la magie d'illusion, après. C'est pas qu'elle se transforme. Putain de pute de merde. Depuis quand les sites sont... ce site est infesté de pute. Ouais, de toute façon, tu vas pas non plus te forcer non plus, même si une armure glamour. Connaissant l'Endir, il va pas passer que par les grandes routes. Il y a combien de chemin à faire? Bon, là, tu vas te... Oh. On est d'accord que tu prends pas la route des morts-vivants. Appeler la route des morts-vivants. Surnommer la route. La route des morts-vivants. C'est quoi la route des morts-vivants? Alors, tu vois la grande forêt du Talban? Oui. Tu as la route royale qui est en gris là, pointillé gris. Gris, hein, pas blanc.
Quoique, non, là, non, c'est la blanche, con moi. Si, si, c'est la blanche. Gris, c'est les frontières. En pointillé blanc, là. Ouais. Là où la route rentre dans la forêt du Talban, elle est réputée être la route des morts-vivants. Pour la simple et bonne raison, c'est que la forêt du Talban n'a pas encore été totalement purgée de tous ces morts-vivants. Il semblerait d'ailleurs que ça soit impossible de la purger totalement. Et malheureusement, quand on passe par là, il vaut mieux être très bien accompagné pour effectivement pouvoir parer à toute attaque de morts-vivants, voire de hordes de morts-vivants. C'est la raison pour laquelle il existe une autre route qui est une route plus modeste. Donc pas royal, mais bis et agréable. Un peu tape-cul peut-être, si je pourrais dire. Qui consiste à passer par Haute-Bannière, Marouge, Thalien et ensuite Yagotalb. Ok. Ah mais attends. Ici c'est pas là où il y avait une tombe avec un truc super important. Si. J'ai eu des infos dessus. Oui, tu avais des Des infos infos que dessus. j'ai, est-ce qu'elle a été visitée? Je sais plus. Au moment que tu étais avec la Dragon Storm, tu as entendu effectivement Mia qui disait que Tempest a été visiter le sanctuaire du roi Alarien là-bas. Et que effectivement il y a eu une petite baston avec certains avec le Noirceau. Il me semble que c'était avec le Cercle Rouge, mais je me rappelle plus comment s'appelait celle guide. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir plus tard. Mais en bref, le côté xénophobe du Noirceau. Et ça avait été fouillé en entier ou pas, ou je sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas Bon, bah dans l'idée. a priori Tempest n'a pas été pour fouiller. Ah bah en plus Tempest, bon, c'est. Disons qu'il a des muscles à la place de la cervelle, dans mon idée. Donc, si c'est lui qui a fouillé en plus, je vais prendre cette fameuse route des morts-vivants et je ferai un crochet par là, voir ce qu'il y a, s'il y a des trucs intéressants. Tu fais la route des morts-vivants? Ouais. Ok. Donc du coup, il faut que je change mon fléchage, moi. Hop. Façon, je suis plus à l'aise à traverser une forêt. Donc je te refais parce que du coup tu vas faire un trajet, tu vas commencer à faire un trajet que tu connais extrêmement bien. Puisque c'est là que tu as commencé avec Elendir. Tu vas arriver à ce petit village très proche de Haute-Bannière qui s'appelle Gamor. Donc je pense que tu trouveras ce qu'il faut pour t'héberger, sauf si tu passes pas à Gamor, proprement parlé. Sachant que pour rappel, tu sais qu'il y a une petite demeure où les Starango aiment bien s'arrêter, où ils ont l'autorisation de s'y arrêter pour se reposer. Où ça? À Gamor, tu avais trois maisons et tu en avais l'une d'entre elles qui était dont le propriétaire était un petit peu bizarroïde. Et en fait, toi, tu avais découvert que Bah. c'était un Starango. D'accord. Bah, si c'est sur le chemin, je vais m'y arrêter.
Et au souvenir, ça va être aussi être une occasion pour vérifier. Ça, c'est encore plus vieux ce que je vais dire. Pour fouiller, puisque tu te rappelles que Aimé t'avait fait une petite enquête pour savoir qui étaient ces vilains Starango. Et tu sais que certaines informations ont transité à Gamor, justement dans cette maison. Donc ça tombe bien que tu doives y passer. Donc bien sûr, tu vas être accueilli par Takiya, le petit gnome. Mazia de son côté. Bon, allez. Tu vas arriver là-bas en début de soirée. Elle, de son côté, elle va être. On te dit qu'elle est partie à Marouge. Il semblerait qu'il y ait des affaires importantes à gérer de son côté. Et la maison en particulier, du coup, t'es. La maison que tu. D'hébergement des Starango est actuellement vide. Il n'y a personne qui s'y est arrêté. Qui s'y arrête. Enfin bref, elle est vide. Et j'imagine que si tu t'y arrêtes, tu fouilles aussi. Oui. Bah surtout que si je m'y arrête, je suis quand même extrêmement prudent parce que je me dis, c'est une demande de Sango, mais est-elle toujours? Mais du coup, des nouveaux ou des anciens? Est-ce que tu poses la question de savoir quelque chose? Là, j'observe, j'attends de voir s'il y a quelqu'un y est ou pas à l'intérieur. T'avais trois maisons. T'avais la maison de Takia où Mazia était la plupart du temps. T'avais la maison Starango, entre guillemets. Et t'avais la maison qui était à moitié sorcier. Puisque du coup, vous avez la maison qui a été prioritairement visée par une attaque venant de la prison. Et cette maison-là a été reconstruite. Enfin, reconstruite. Il n'y avait pas non plus d'immenses dégâts dessus. Donc, ça n'a pas été non plus l'autre bout du monde de la refaire. Et à l'intérieur, tu sais qu'il y a un groupe ouais, de guerriers qui ont l'air. Bon. Je ne veux pas non plus être te faire rechercher les choses, mais ce sont plus des mercenaires que des soldats. Et clairement, tu sais qu'ils sont intéressés par la guerre qui se passe à l'Est. Enfin, du moins, c'est ce que Kia t'apprend. Ils sont très intéressés par la guerre qu'il y a à l'Est, et c'est bien la seule chose qui les intéresse. Et au niveau des nouveaux habitants du village, c'est tout ce que tu as. D'accord. Précision peut-être sur ça. Ils sont là depuis. Alors attends, là faut que je mette du calendrier parce que sinon je vais faire une connerie. Oui, ils sont là depuis 2 semaines. Et ils attendent que quelqu'un vienne les chercher. Et il ne veut pas dire qui. Et ils ne disent pas qui, mais est-ce qu'ils disent pourquoi? Pour aller où? D'après ce que j'ai compris, il semblerait. Alors, ils me l'ont dit. Ils me l'ont pas dit, ou ils ont voulu que je l'entende, ou ils ont voulu que j'entende quelque chose. Bref. Ce que j'ai entendu, c'est que ils auraient un contrat alléchant qui leur permettrait de faire fortune par l'intermédiaire de petites escarmouches
Tantôt il parle de combattre les morts-vivants. Tantôt il parle de se battre contre la Dragon Storm. Tantôt il dit se battre contre les Xar. Au final, on ne sait pas contre qui il se bat, il compte se battre vraiment. Je leur ai dit quand même, parce que c'est mon devoir de le faire, que nous sommes ici un soutien à la Dragon Storm et que nous n'admettons pas dans ce village de Gamor que quiconque menace la Dragon Storm. Donc quoi, ils ont juste dit non, on va pas menacer Dragon Storm. En vrai, par rapport à ce que j'ai dit, je n'ai pas obtenu de réponse particulière. Ils ont continué les choses comme si de rien n'était. Et en l'absence de Mazia, je t'avoue que je n'ai pas souhaité vouloir aller plus loin dans ma confrontation contre eux. D'accord. Ils sont où là actuellement? Il y en a deux qui sont à l'intérieur de la maison. Je ne sais quoi faire. Il y en a deux autres qui sont partis à la chasse ce matin. Et bizarrement, ils ne D'accord. sont toujours pas revenus d'ailleurs. Ok. Comment dire? Il est quelle heure là actuellement? Bah, tu es en... C'est ça qui est un peu bizarre. C'est que vous êtes en début de soirée. La nuit n'est pas encore tout à fait tombée puisque vous êtes en été. Donc il y a encore un petit peu de laps de temps avant que la nuit tombe. Mais bon, ça n'empêche que vous êtes en soirée. Et ils sont partis où? Il semble être parti du côté nord-est pour changer. Du côté nord-est. D'accord. Il a quand même une sorte de, comment dire, de crainte. Parce que étant donné au point où ils en sont à vouloir s'attaquer à tout et n'importe qui, enfin il a peur, ou alors peut-être il n'a pas vraiment peur, peut-être qu'il en est content quand il t'en parle, mais il pourrait que ses corneaux aient été se frotter aux elfes sylvains de la forêt du Rhu, même si c'est encore loin de Gamor, mais quand même, ils ont peut-être essayé. Bon, je verrai. Je vais aller faire un tour, voir. Oh oui, vas-y, de toute façon, il reste, Et il demeure tout à fait accueillant malgré tout. sinon, est-ce que depuis que je suis passé, d'autres membres des Starango sont venus? J'imagine que tu es au courant des nouvelles. Oui, nous avons eu. Alors, ça aussi, avant que je dise ça, il faut que je regarde mon calendrier. Ouais, au pire, c'est pas vraiment un récap précis que je te Quatre. demanderais, mais... Alors, deux. Il y a. Non, je vais pas te donner de date précise du coup parce que ça servirait pas à grand chose. Mais donc ça, le fait que les mercenaires soient arrivés, c'était il y a 2 semaines. Il y a 3 semaines, ce qui correspond à la date où il y a eu l'empoisonnement. Soi-disant des Starango à Mylène Oloran. Ici même, il y a, enfin ici même dans la maison Starango, il y avait 3 personnes qui étaient un petit peu trop discrets
L'un d'entre eux portait une sorte de vêtement avec une sorte de peau écailleuse. Je ne sais pas si c'était du crocodile ou autre chose, mais ça semblait être un petit peu dans le genre là. Ce qui est assez étrange puisque dans notre coin nous n'en avons pas beaucoup de crocodiles. Enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Et il était avec deux autres personnes qui, malgré qui eux de leur côté étaient beaucoup plus modestes dans leur déguisement, dans leur accoutrement, étaient en vêtements de voyage plutôt confortables. Mais ceci étant avec un homme et une femme d'une carrure assez imposante. Ça n'avait pas l'air d'être des personnes qui font dans la dentelle. Et j'ai trouvé ça assez étrange, puisque de tous les Starango étranges que j'ai vus jusque-là, je n'avais pas encore vu. Bah du coup, il ne va pas te parler de Starango. Je suis en train de dire Starango, mais Takia va pas te parler de Starango. Deux personnes qui sont arrivées dans cette maison-là, par rapport au profil que nous avons dans cette maison, des costauds comme ça, il n'y en a pas eu. D'accord. Et aucun qui serait susceptible d'être un traître. Attends, je lui fais faire un petit jet de perspicacité pour voir s'il l'a vu ou pas. Ouais, d'accord, ok. J'ai fait un vin naturel. Ok. Celui avec la peau, enfin, le manteau peau écailleuse, m'a semblé suspect depuis son entrée dans le village. Justement parce que cette peau de reptile, ou écailleuse, enfin, bref, je ne vois pas où il a pu la chercher en la riant. Au vu des problèmes que nous avons avec certains pays étrangers, je suspecte que cet individu soit venu du Ragaron. Et je pense qu'il s'agit d'un espion qui soit venu pour causer quelques problèmes en Alaria. Et où est-il? Ils sont partis il y a bon, une semaine et demie à peu près. Et ils sont partis vers l'est. Mais ceci dit, est-ce qu'ils sont partis vers l'est pour aller dans le même endroit que nos chers amis là, ou est-ce qu'ils sont partis à l'est ailleurs, j'en sais rien. Mais je pense très sincèrement qu'ils doivent préparer une sorte de gros incidents diplomatiques, pour ne pas dire le mot. Vers l'est, donc dans la forêt avec les Oui, elfes des ciels subsidiens. c'est ça. À vrai dire, je me dis qu'entre ces mercenaires et ces gens dont nous sommes en train de parler, il serait difficilement acceptable, je pense, que les elfes sylvains se rebiffent contre les autres peuples d'Alaria.
Ça fait un peu frissonner en disant ça. Du coup, je vais me... Très bien. Et ils sont partis quand à l'est? Il y a une semaine et demie. Est-ce que la guilde a eu des infos d'eux depuis? Non, Est-ce absolument qu'ils pas. ont laissé des affaires? Certainement. Je n'ai personnellement pas été fouiller en profondeur la maison. Je l'ai juste nettoyé grosso modo. Et la seule chose que j'ai trouvé de curieux, sans trop sans trop être inquiétant aussi quand même, j'ai trouvé un comment dire, un livre de prière du noir sceau qui est resté dans cette maison. Mais en soi, trouver un bouquin du noir sceau dans une maison, bref, c'est pas forcément non plus quelque chose de très grave. Mais dans cette maison en particulier, c'est... Attends, excuse-moi, j'ai décroché juste 2 secondes. Le bouquin du noir sceau, il l'a trouvé après qu'on ait fouillé ou c'est avant qu'il l'avait trouvé? Et après que les autres soient partis il y a une semaine et demie, il a fait le ménage à l'intérieur et il est tombé sur un livre du noir sceau qui l'a un petit peu étonné, puisque dans cette maison-là, il est étonné de voir un bouquin de ce culte-là. Bon. Ok. Du coup, hormis la maison où il y a les deux potes des deux autres qui sont partis à la chasse, les deux autres maisons sont vides. Bah, il y a la sienne où il vit dedans, et du coup il vit seul dedans puisque Mazia est pas là. Et bah, la maison Starango qui est vide actuellement. D'accord. Je vais fouiller la maison Starango et après je vais partir à l'est. Fais-moi un petit jet d'investigation, d'enquête, voilà. C'est enquête sur la fiche. Ouais. Attends. Ça. Super, nice. Ah ouais. Ça commence bien. Je crois que tu vas rester une journée de plus. Bah effectivement, c'est quand même une grande maison. Et en plus, malgré que c'est des heures estivales, il semblerait que le soleil soit du mauvais côté de la maison. Ce qui fait que ce qui rend un petit peu l'intérieur un petit peu plus sombre que prévu. Tu as beau essayer de te concentrer avec ta vue d'elfe pour essayer de bien percevoir tout ce que tu vois. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je te dis qu'il y a moins d'éclairage dans la maison, parce que tu es un elfe, donc tu t'en fous. Mais ceci dit, tu ne vois pas. C'est plus que pour une excuse par rapport aux 5.
Mais du coup, je pense que tu as été largement orienté par le discours de Takiya. Tu remarques sur la table centrale ce livre avec effectivement ce symbole du noirceau en couverture qui semble être d'ailleurs un livre. Il y a quand même quelque chose qui attire l'œil tout de suite, c'est que ce livre est d'une couleur rouge pétante. Et ça, par contre, pour un livre du noirceau, on est un petit peu dans une connotation plutôt cercle rouge, tu vois. On est loin du noir du noirceau. D'accord, pas raison de plus. Du coup, tu vas voir le bouquin ou est-ce que... Je sais que j'ai envie de te dire que par rapport à ce que tu regardes autour de toi, tu vois un petit peu de fouillis. Enfin, l'endroit est propre, mais bon, bah, il y a des gens qui sont passés, hein, qui ont déposé des trucs, qui sont partis sans les avoir repris. C'est un petit, voilà, c'est un bon bordel, mais propre. Tu n'as rien trouvé d'autre de particulier qui te saute aux yeux, hormis ce livre. Parmi les livres, je trouve autre chose. Donc, hein. Bah, dans ce cas, je vais commencer ma route vers l'est en essayant de faire gaffe en demandant par où ils sont par où tu les avais partir pour essayer de voir s'il reste des traces. Oui, ça, de ce côté-là, ils vont pas être très très discrets. Ceci étant, pas très très discret, je suis en train de dire ça, mais il n'y a pas eu de pluie depuis un petit moment. Il n'y a pas eu de pluie depuis un moment. Ceci étant, tu vas remarquer, malgré que tu sois à Gamor, et ça va être assez surprenant en soi, qu'il semblerait que Haute Bannière, puisque ce sont les écussons de Haute Bannière que tu vois sur ces personnes, tu vois des individus habillés avec des tenues rurales, si tu veux. Donc plutôt avec un veston, un pantalon quand même assez bien cousu. Qui passent avec ces écussons qui sont armés. Qui sont armés d'épées et de lances. Donc comme si c'était des gardes. Mais qui sont en train de visiblement de se promener en forêt. Et là actuellement tu en vois quatre qui sont en groupe et qui ont l'air de guetter les alentours. Pourtant ils sont pas loin de Gamor, donc sans doute qu'ils jettent un coup d'œil sur Gamor en passant. Donc ça tu les vois passer. En ce qui concerne les traces, bah, forcément ça va se télescoper un peu, puisque les traces sur le sol se mélangent aux leurs. De leur côté, les mercenaires, tu vois qu'ils transportent une... Est-ce que je dis vraiment un âne ou est-ce que je dis une mule? On va dire une mule pour changer. Une mule avec derrière une charrette, entre guillemets. Petite charrette, hein, pas une grande, hein, une toute petite charrette, qui a l'air d'avoir, du coup, ça fait un petit peu quelque chose de très particulier, et comme c'est particulier, c'est facile à suivre.
malgré les traces des gardes champêtres, t'arrives quand même à retrouver ces traces. Donc non pas miraculeusement, mais heureusement qu'ils ont une petite mule avec une petite charrette. Tu les suis un petit peu à la trace, un petit peu plus loin. À un moment donné, tu tombes sur une petite roue, non loin de ces traces, qui a l'air d'être explosée en trois parties, comme si quelque chose l'avait cassé en morceaux. Alors, est-ce qu'il s'agissait d'une des roues de la charrette ou pas? Je sais pas si ça t'intrigue davantage. Ça, parce que l'autre m'a, quand ils sont partis, il m'a pas dit qu'ils avaient une charrette ou une mule. Non, il t'a pas dit ça, non. Et ces traces, elles datent de quand? Si je peux les estimer. Ouais, date de ce matin, a priori. Et il m'a pas dit que quelqu'un était parti. Et il t'a dit, Takia, que visiblement ces mercenaires étaient partis à deux chasser ce matin. Ah, mais du coup on n'est pas au nord-est là par contre. J'ai dit quoi? J'ai dit au sud, j'ai dit quoi? T'avais dit au nord-est, Oui, mais au là, et nord-est. ensuite tu m'as dit que les autres étaient partis à l'est. Au nord-est, pardon. Je crois savoir où est-ce que je me suis télescopé dans l'information. Les personnes qui ont résidé à l'intérieur de la maison des Starango sont parties à l'est. Et les mercenaires de la maison attendent un contact venant de l'est. Mais les deux de ce matin qui sont partis chasser au nord-est. Mais et moi je suis parti à l'est. Et t'es parti à l'est, toi? Ah, je croyais que t'es parti chercher les mecs à la chasse. Ah non D'accord. non non je te dis, moi je suis les traces des mecs qui avaient le livre du noirceau. Ah, pardon. Excuse-moi. Excuse-moi. Donc, je recommence. Mais je me suis trompé de cible. Donc, non, ils sont pas partis avec une petite mule, eux, de leur côté. Au niveau des traces sur le sol. Alors eux, ça fait une semaine et demie qu'ils sont partis, c'est pas le matin. Ça va être compliqué d'aller voir vers où ils sont allés. Seule possibilité que tu as là, c'est d'aller voir au prochain point relais, celui qu'il y a entre Gamor et Nevva qui se trouve. Sur le chemin là, qui est un relais douane entre guillemets, puisque les gardes du RU ont tendance à vérifier les bagages des gens. C'est pas systématique, du genre quand il y a des gens qui arrivent et qui n'ont pas de bagages, c'est difficilement fouillé. Même s'il pose des questions. Donc je sais pas si tu vas vers ce relais qui semble être l'une des seules possibilités que tu as de retrouver la trace de ces individus. Parce que sans se mentir, un mec qui se promène avec un manteau en peau écailleuse ne doit pas en avoir des masses dans le cou. Donc est-ce que tu te rends au relais ou pas? Pardon, c'est juste que je me suis mis en une canne de tout, donc j'ai dans la panique, j'ai carrément
débrancher mon micro pour pas que ça s'entende. Mais du coup, j'ai pas vraiment écouté ce que t'as dit. D'accord. Donc je disais, du coup, oublie cette histoire de mule parce que du coup j'étais pas sur la bonne cible. Donc la seule possibilité que tu as de retrouver la trace de ces types qui sont partis il y a une semaine et demie, et non pas le matin, c'est de passer au relais qu'il y a entre Haute-Bannière et Neva, qui se trouve pas d'ailleurs forcément sur la trajectoire. Il faut aller un petit peu plus au nord, mais un petit peu plus au nord quand je dis c'est un ou 2 km. Où tu n'as pas de bagage, donc tu vas pas forcément être fouillé. Et la fouille est généralement faite sur les gens qui transportent des marchandises. Tu vas certainement être questionné, mais en même temps, tu sais que à ce point relais, c'est le seul endroit où tu puisses avoir des informations sur cet individu qui se promène avec un manteau en peau écailleuse. D'accord. Bah, je vais m'y rendre alors. Du coup, tu t'y rends. Tu arrives sur un relais qui ressemble à... Enfin, je pense que tu es passé au moins une fois par là, même si c'est pas l'endroit rêvé où passer. D'ailleurs, je pense que quand tu es passé de Neva à Gamorre, t'es même pas passé, tu l'as contourné exprès pour pas y passer. Parce que ça ressemble à une sorte de petit bivouac miniature, mais quand même un bon bivouac, géré par un demi-orc qui a 2 lieutenants qui sont eux-mêmes demi-orcs, et les autres qui sont humains. Je pense que tu auras parmi eux aussi un elfe sylvain. Qui va pas forcément t'habiller en vert comme les autres, mais plutôt en couleur un petit peu plus anisée. Et qui va bien regarder, enfin en fait qui va regarder de la tête aux pieds les gens qui vont passer par ce relais. Qui passe par ce relais, tu vois des gens avec de grandes charrettes qui y passent avec pas mal de contenu. Et donc eux sont fouillés, toi on... parce que tu sais qu'Elendir des fois t'aimes bien changer de style avec lui. Donc on te demandera simplement pourquoi vous venez dans le rue et pour combien de temps. Attends, tu me dis quoi, excuse-moi. Du coup, l'un des gardes de Miork, parce que du coup, vont te demander pourquoi tu viens dans la rue et pour combien de temps. Oh, ce n'est pas pour long, c'est juste pour traverser, prendre un raccourci pour me rendre jusqu'à Cro. Très bien. Du coup, tu vois qu'il jette un petit coup d'œil à l'elfe qui se trouve derrière eux. Ils vont t'étaler devant les yeux une carte. Ils vont t'indiquer qu'il faut passer par là et traverser par ici et redescendre ensuite. Et on Mais c'est peut... pas du tout là. On est d'accord que c'est pas du tout là où je me rends. Non. Non, pas du tout. D'accord. Mais Oh, après... mais ça fait un long détour. Ce serait pas plus simple de passer par la forêt? Non,
Tu vois qu'il se gratte un petit peu la gorge. Dans ce cas, vous devrez avoir affaire à notre cher ami ici présent. Autant vous dire que c'est la commodité la plus agréable à suivre, enfin le trajet le plus agréable à suivre, mais toutefois, vous pouvez vous faire escorter par des gens de la forêt, mais sous certaines conditions. Quelles conditions? André, veux-tu venir nous leur expliquer? Du coup, tu vois l'elfe qui s'approche. Bonjour, monsieur. Alors, vous voudriez Bonjour. traverser la forêt pour aller en direction de Crow. Oui, c'est exact. Eh bien, nous avons des petites et coquettes caravanes pouvant être tirées par une personne qui vous amène à travers la forêt jusqu'à la sortie de la forêt. Et effectivement, ça peut être des caravanes, une place, biplace ou cinq. Je vous conseille plutôt d'ailleurs les une ou deux places, puisque les cinq, c'est plus compliqué pour la personne qui tire. Même si nous avons ce qu'il faut, mais bon. Autre chose, vous devriez respecter le code vestimentaire à l'intérieur de cette forêt. C'est-à-dire que vous devrez abandonner toute tenue en cuir et privilégier des tenues en tissu léger. Ah bon? Mais c'est étonnant parce que... Ah bah excusez-moi, mais je me permets de vous poser une question parce que justement, je pensais retrouver un ami qui m'avait prévenu il y a quelques semaines qu'il prendrait ce chemin, mais il se trimballe toujours avec une robe, semble-t-il, faite en écaille. Est-ce que il a pu passer? Il a dû passer il y a oh, une semaine et demie, quelque chose comme ça. Comment? Le demi-orc va te répondre. L'elfe va pas te répondre, mais le demi-orc va te répondre. Ils sont venus à trois. Ils semblaient vouloir effectivement traverser la forêt de nuit. Du coup, tu as une petite discussion qui se fait entre André et le demi-orc, hein. Il semblerait que André n'était pas au courant de ça. Bon, il y a Est-ce qu'il est passé? Est-ce qu'il n'est pas passé? Du coup, tu sais que cet individu a été demandé de ne pas passer par la forêt. Et on l'a escorté du côté de Tenwir, puisqu'il faisait un petit peu comment dire, du rentre-dedans par rapport aux demi-orques. Et autant dire que, bon, bah, ils ont essayé de garder leur calme autant que faire se peut. Mais au bout d'un moment, ça les a un petit peu gavés. Et du coup, ils l'ont escorté de façon musclée pour l'amener jusqu'à Tenwir et être entendu par la famille là-bas, afin de savoir quelles étaient ses véritables intentions et si il méritait vraiment d'aller de l'autre côté de la forêt. Oh,
Oh, je vois. Attends, ça m'étonne vraiment venant de lui. Bah, écoute, en tout cas, si jamais c'est lui et pas quelqu'un d'autre, je me suis avancé. Et à ce moment-là, je suis votre premier conseil. Je vais me rendre à Tenouir pour juste voir si c'est bien mon ami, justement. Et je vous souhaite une bonne journée, messieurs. Bah après, vu le temps qu'il t'a fallu pour aller à ce relais et tout ça, je pense qu'il va faire nuit là quand même. Donc il te proposera de te reposer avant de partir. Et il va te proposer de son côté de profiter d'un rapace pour envoyer un message à Tenwir pour savoir si cette personne était toujours là ou pas. Oh, c'est fort aimable à vous, mais j'ai de la famille à Neva, donc je vais aller dans ma chaise et ne pas vous déranger, ne vous en faites pas. Très bien, je vous en prie. Passez une bonne soirée. Merci à vous. Vous de même. Et je fais demi-tour. Dès que je quitte son champ de vision, je trace jusqu'à Neva, où il y a mon bon ami. Ouais, amen, ouais. Mon contact. Ah Pour oui, lui ton demander. contact, oui. Voilà, urgemment. Toutes les infos sur Nenwir, sur quelqu'un qui devrait être reçu par les autorités là-bas. S'il y est encore, son nom, son matricule, ses compagnons, tout ça, tout ça. Alors, Tenouir. Je regarde? Pour avoir le nom, il me faut un nom. Oui, voilà. Déjà, on te dira que Tenouir, c'est le siège de la maison Tyrell. Tyrell, ça te dit quelque chose puisque tu as croisé dans ton aventure un H Tyrell. Oui. D'ailleurs, c'est censé être secret, ça, on est d'accord? Oui. Le H saute intégral. Oui. Très bien. Toi, au moment que tu partis, oui. Très bien. On te dit que la personne qui gère cette maison est un garde émérite du RU du nom de Mobok Tyrell qui du coup bah, c'est lui la police du RU quoi bref et que forcément si la personne est partie à Tenouir c'est qu'il va passer un moment assez particulier. On dit pas que ça va être terrible pour lui, mais ça va être très particulier pour lui. Concernant les gens qui présumés, parce que c'est ça, hein, ton contact, hein, c'est une personne de la guilde Starango. Et il va te dire que des personnes. Tu vas décrire le mec en peau écailleuse, c'est ça? Un J'étais muet, pardon. Oui, je demandais, le mec, il avait une peau écailleuse ou sa robe était faite en écaille? Alors, c'est un manteau. Alors, putain, mais c'est quoi le nom de ce vêtement là? C'est un manteau avec une capuche, mais tout en peau écailleuse. Oui, d'accord, c'est pas lui, c'était son habit qui était en peau écailleuse. Oui. Ce qui est Bah très du coup rare oui parce je demande que des informes. ce qui est rare parce que généralement les gens qui sont en écailles ne portent pas ça en veste, mais sont soit en armure, soit en peau écailleuse direct, pas avec un manteau d'écailles. Et si tu lui demandes, du coup, il te dira un Starango avec des vêtements comme ça.
Ça l'étonne largement. Ceci dit, avec non, ça lui dit absolument rien. Et vous dites qu'il s'est arrêté dans une maison Starango? Et ça, là, c'est mon contact qui me parle. Oui. Oui, bah, là, j'ai plus son nom à Gamor, mais Takia, ouais. Takia qui m'a dit oui, il s'est arrêté dans la maison Sarango de Gamor. Pourquoi il n'en a pas fait part? Non. D'accord. Mais attendez, parce que ça d'accord, c'est une chose, mais Atelwir, ils vous ont pas dit Atenwir, on sait pas où il est, parce que les gardes du relais nous ont dit qu'il a été escorté jusqu'à Atenwir. Oui, bah c'est ce qu'on t'a dit en tout cas. Oui, bah je le dis, et il n'y a pas D'accord. d'information. Est-ce qu'il adresse des informations? Non, il n'a pas d'informations sur ça, non. Par contre, c'est en fait c'est ça le. Comme tu fais les associations en lisant tout ça, lui, il fait les mêmes associations que toi. Vu de quelqu'un qui vit dans le coin. Et il te répétera du coup très sincèrement s'il est parti à Tenouir il y a une semaine et demie, il n'est pas improbable qu'il y soit encore. Et quoi qu'il arrive, tu peux être sûr et certain qu'à Tenouir, tu obtiendras des informations. Non mais ça d'accord, mais comment c'est que vous on sache pas ça? Malheureusement, pour qu'une personne puisse aller à Gamor prendre disposition de la maison et en partir sans avoir été entretenu du fait que c'était des Starango, ça me semble assez inquiétant dans le sens où on pourrait y être passé. Il faut le savoir. Ou faut connaître quelqu'un qui l'ait su. Tu lui as parlé du bouquin rouge, hein, quand Oui. même. Et étant donné que actuellement le Noirceau n'a pas forcément une très bonne presse et les Starango non plus. Cette combinaison des deux me laisse penser que avec un petit peu de chance que ça pourrait être lié. Peut-être que les Starango se sont fait infiltrer par le Noirceau. Et que du coup le Noirceau utilise les gadgets entre guillemets des Starango pour circuler en Arlérien. Mais si c'est le cas, nous tenons peut-être nos traîtres. Vous savez que vous aviez trouvé
une partie des traîtres à Henley, mais vous saviez également que il y en avait d'autres, d'après les informations que vous nous avez données. Donc peut-être que ce sont eux. Oui. Bon, en tout cas, il faut que j'aille atténuer. Oui, enfin, reposez-vous quand même. Il fait nuit. Vous voulez que j'envoie un oiseau? Alors, en vrai, il va. Alors, en vrai, il va pas te dire atténuer même, parce que bon, avoir quelqu'un d'atténuer de Starango, c'est très compliqué parce qu'ils sont trop bons au niveau de la police pour se laisser avoir par les Starango. Mais ils ont un ermite dans la forêt du Ru. Un elfe sylvain pour être bien camouflé, qui fait partie des Starango et qui de temps en temps rend visite à Tenwir pour proposer des petites marchandises. Et comme il y va le matin, il te propose, comme cet ermite va à Tenwir le matin, il te propose d'envoyer un oiseau immédiatement. Pour que du coup cet individu puisse te confirmer que l'autre s'y trouve, que ton individu s'y trouve. Ouais, Mais en bah vrai, faites ça et oui, faites ça et je vais me reposer quelques heures et ensuite je partirai juste dans la nuit. très bien. Bah oui, parce que t'es un elfe, donc 4 forts te suffira, te suffiront. C'est ça. Oui. Tu vas du coup faire ta petite transe pendant 4 heures. Et alors tu n'auras pas de nouvelles de l'oiseau tout de suite, hein, parce qu'en vrai il faut un petit peu plus que ça. Mais du coup on va t'avoir préparer des rations pour ton voyage jusqu'à Tenwir. Ton contact va t'avoir préparé une lettre de recommandation auprès de Mobok de la part de Gita, de Dame Gita. Et on te dit. Il te dit, une fois que tu arrives là-bas, tu montres cette lettre comme quoi tu recherches tes individus au nom de Dame Gita. Ne t'inquiète pas, elle ne t'en voudra pas. Oui. Bonne route et logiquement, je devrais te fournir la réponse dans ta tête de l'oiseau. Très bien. Donc je pense que tu te mets en route tout de suite. Je crois que j'ai oublié de te faire évoluer sur le calendrier. Voilà. Ah, t'es au matin là. Quand tu es au matin là, tu as quand même une sacrée effervescence au niveau de Neva, où tu entends beaucoup les chevaux marteler ainsi que les armures claquer. Il semblerait que ce soit une journée militaire particulière. Et d'après les informations que
tu as quand tu t'en vas vers le nord, puisque les soldats sont réveillés à la même heure que toi, malgré que ce n'était qu'une transe. Il semblerait que ces militaires se préparent pour la guerre parce qu'ils sont en nombre, qu'ils sont en rang, qu'ils ont l'air graves et qu'ils ont l'air déterminés à partir au combat. Évidemment, toi, tu vas pas dans le même sens qu'eux. Toi, tu t'en vas vers le nord et tu... Alors, je vais te mettre sur la map parce que du coup, on parle la même langue. Tu pars de Neva, tu vas vers le nord. Et tu vas aller vers un endroit. Est-ce que l'Endiar le connaît? Non. Tu vas aller du côté de Awen. Un autre relais militaire qui est aussi un petit village paysan qui lui est en pleine effervescence de récolte. Tu vois plein de charrettes qui déboulent de part et d'autre avec des céréales qui sont dans les charrettes. En soi, t'as en elfe, donc tu reconnaîtras de l'orge. Tu vois qu'effectivement, c'est un grand moment pour ça. Tu auras certainement des odeurs sur le chemin qui te feront rappeler qu'il y a des gens qui profite de certaines grillades de très bonne heure. Il fait à peine jour que déjà ça commence. Au fur et à mesure du chemin, ça ne s'arrange pas, puisque forcément la journée avance, donc l'odeur de la paille et des grillades s'amplifie. Tu vois que également sur ton chemin, tu as des gens qui profitent de la saison pour se promener en groupe et pas forcément de façon très raisonnable. Il semblerait que certains d'entre eux soient un petit peu éméchés. Et tous affluent vers Awen. Qui a l'air d'être un endroit qui a quand même souffert de ce que tu pourrais penser être des coups de marteau, de gros marteau. Est-ce que c'était des béliers? Est-ce que c'était des coups de catapulte? Bon, c'est un petit peu dur des catapultes parce que les lendiers, ouais, il en a sans doute déjà vu, mais bon, bref. Assez difficile à croire que c'était des catapultes, ça fait un moment qu'on n'en a pas vu dans le coin. Donc, sans doute plus des béliers. Les bâtiments ont été difficilement refaits. Enfin, certains ont été difficilement refaits, mais beaucoup d'autres sont encore éventrés. Et d'ailleurs, le temps que tu y vas, je sais pas si ma carte est à... Ouais, si, si, à 7 km, tu vas pouvoir aller plus loin après. Tu as un petit mélange au niveau des bâtiments. Vu que tu as une partie relais et une partie paysanne, tu remarques qu'il y a une certaine connivence avec les soldats pour refaire les bâtiments. D'accord. Voilà, c'est tout ce que J'ai une je peux te dire. question. Oui. J'ai une question cependant. Je suis où moi actuellement? Alors du coup, tu t'es arrêté là au relais pour voir les demi-orques là avec l'elfe. Et le soir, tu es retourné assez proche de Neva pour aller à ton contact Starango.
et tu es reparti après ta transe par la route pour aller vers le nord et aller à Tenwir qui se trouve juste là. D'accord. Mais c'est pas écrit sur la carte, c'est normal. Oui, c'est normal. C'est juste D'accord. marqué, mais il se trouve là où est ma flèche. À la frontière Très bien. entre la campagne et la forêt. Okay. On ne te posera pas de questions, on ne te demandera pas qui tu es, d'où tu viens. Par contre, je pense que tu vas peut-être profiter sur ton chemin, parce que ça va continuer même après Awen. Ces odeurs, peut-être que tu profiteras des grillades sur le chemin. T'es un elfe, est-ce que tu le feras? Je ne sais pas. Mais bon, plus je crois que t'es un elfe sylvain, donc je suis même pas sûr que t'en profites des grillades. Y a rien qui dit que je peux manger de la viande, hein. Oui, non mais. Sait-on jamais avec les elfes sylvains? Des fois, faut mieux demander précision. Ouais, bah. Donc, t'en profites. Ouais. Du coup, tu profiteras sans doute aussi de tout ce qui va avec la boisson et tout ça, même si pas forcément alcoolisé. D'ailleurs, toi, de ton côté, je crois qu'il ne me semble pas que tu prennes beaucoup d'alcool non plus. Mais bref, on s'en fout un peu. Tu continues ta route, vu qu'il y a une vingtaine de kilomètres. Tu continues à marcher vers le nord. Tu passes à côté des forêts où t'es un elfe quand même. T'es bien elfe sylvain, toi, hein? Ouais. Ouais, donc à toi, ils vont pas être cachés. Tu remarques que à l'oreille des forêts, tu remarques dans certains branchages des petits yeux de tes semblables qui semblent guetter la moindre personne qui passe devant les forêts. Tu vas continuer tout droit. Sauf si tu veux t'arrêter leur parler, remarque, c'est toujours possible aussi. Tu vas leur parler ou tu continues ton chemin? Bah, est-ce qu'il me bloque ou parce Non, non, il te que bloque pas, là c'est mais où c'est? en fait, tu passes. T'as passé à Wen, là. Tu passes, alors tu as une route qui continue un petit peu en dehors de la carte là. Et tu Ouais. vois dans les forêts, que ce soit ici ou là, les elfes qui regardent bien. Tu vois ils scrutent vraiment très bien les gens qui passent à l'orée de la forêt. Ouais, je vais m'avancer vers eux quand même en découvrant ma tête, mes oreilles, pour qu'ils voient mes traits. Et je vais m'avancer dans leur direction en faisant salutations. Wow, un truc cliché. Salutations, mes frères. Je ne peux m'empêcher de remarquer que vous scrutez intensément les passants. S'est-il passé quelque chose? Alors du coup il s'approche vers toi. Alors je sais pas si tu portes des bottes ou quelque chose à tes pieds actuellement. Et en fait je vais pas faire de mystère parce que t'es un elfe sylvain donc tu es au courant. Mais je pense que tu dois certainement porter des bottes actuellement mais tu Ouais. sais qu'ils vont te scruter, eux, de leur côté. Ils vont te fixer les pieds. Et s'ils sont pieds nus, ils vont te sourire. Si tu as quelque chose, ils vont te regarder avec un air sévère. Même s'ils vont paraître. Enfin, même s'ils vont te dire
Bien le bonjour, voyageurs et frères. Bah, s'il me scrute, de toute façon, il voit ma tenue de vagabond. Non, 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 franchement, j'aurais pas pensé à ça. Non, j'ai des bottes un peu usées. Et ce qu'il voit, en fait, c'est vraiment des bottes usées et rapiécées. Même si, en vrai, elles ne le sont pas. Mais Oui. sauf s'il voit à travers l'illusion, c'est... Voilà. Mais du coup, tu vois qu'il les regarde et que du coup, ils ont un air un petit peu sévère quand ils t'accueillent. Mais tu sais pourquoi, donc il n'y a pas de problème. Eh bien, effectivement, nous guettons le moindre voyageur qui refuserait de contourner nos forêts en ne respectant pas nos règles. Mais est-ce que quelqu'un justement a essayé de rentrer dans la forêt de cette manière récemment? Il y en a quelques-uns, effectivement. Beaucoup trop par rapport à d'habitude. Mais ils ne passeront pas. Ne t'inquiète pas. D'accord. Est-ce que vous avez observé les passants, je ne sais pas depuis combien de temps, vous auriez aperçu une personne venue vêtue de bottes et d'une cape et d'une robe en, semble-t-il, en écaille de couleur rouge? Du coup, tu verras que il quand? Il y a une semaine. Je sais pas si tu as donné une durée. Crois que tu as dit une semaine et demie, mais je m'en rappelle plus. T'as dit une semaine et demie, c'est ça? Oui. Du coup, il va non pas siffler, mais ils n'ont interpellé un de ses confrères en chantonnant quelque chose. Ce dernier va descendre de sa branche et s'approcher te saluer. Bien sûr, regardez celui qui l'a appelé. Qui va répéter ta question. Ah, effectivement, nous avons croisé un individu qui était sur entravé sur une porte qui ressemblait à ce que tu demandes. Enfin, ce que tu recherches. Il était escorté par la garde du rue et semblait prendre la direction de la maison Tenouir, de la maison Tyrell. Il est à la maison Tyrell actuellement. Il sourit un peu. J'avoue que j'étais très très intrigué à l'idée de savoir ce qui lui était arrivé à cet individu pour se retrouver entravé sur une porte, surtout avec son accoutrement et ses deux gus qui le suivaient péniblement derrière. Donc nous les avons suivis en forêt jusqu'à la maison Tyrell. Nous y allons de temps en temps pour voir
et s'il se passe quelque chose de ce côté-là pour lui. Et non, non, il semble être là-bas, ne semble pas être sorti du cachot où il se trouve actuellement. Seuls ses deux compères ont pu partir, mais lui y est toujours. En ce qui concerne quand même les compères, puisque ils sont partis vers l'est, ils ont voulu couper par la forêt. Je n'ai pas eu beaucoup d'informations concernant ce sujet-là. J'imagine tout de même qu'ils ont été éconduits à ne pas rentrer à l'intérieur de notre forêt. Il semblerait impossible qu'ils aient pu passer à travers les mailles de notre vue. Nous sommes tous très attentifs à qui rentre et qui sort. S'il y était rentré, nous l'aurions su. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour vos informations. Et je vous souhaite une bonne continuation dans votre observation. Je commence à faire demi-tour. Ouais, ça marche. Tu vois que lui, de son côté, il remonte pas sur le même arbre, hein, parce que bon, faut qu'il joue un petit peu le bluff de changer d'arbre quand même. Donc il va redisparaître dans la forêt. Et toi, de ton côté, je pense que tu vas continuer ta route. Tu vas continuer un petit peu ta route vers la maison de Tyrell. Tu vas continuer à avoir le même cirque d'observation à l'orée de la forêt. Et tu vas arriver dans ce qui semble être non plus un bivouac, mais une bonne forteresse qui se trouve un petit peu dans la forêt, ce qui est assez troublant parce que bon bah tu connais tes confrères, tu vois quand même une bâtisse de pierre bien encombrante à l'œil d'un elfe. Pour l'œil d'un elfe très imposant au vu des humains du coin, largement sombre. C'est pas un endroit qui éveille la beauté, le raffinement et la convivialité, mais ça ressemble à quelque chose de très sombre, de très sobre et de très très bien gardé. Puisqu'effectivement, cette forteresse, tu verras, non pas forcément à chaque mètre, mais tous les 5 mètres, tu verras un garde qui est immobilisé seulement à un endroit précis de sa zone. Et tu verras en plus une patrouille de deux soldats qui fait le lien entre tous ces observateurs. Donc c'est vraiment une forteresse qui est bien surveillée, du moins du point de vue que tu en as pour commencer.
Tu remarqueras cette tour côté nord et côté forêt qui est très haute, qui est très carrée et qui n'est pas forcément plus raffinée que le reste, qui fait un peu tache dans le décor d'ailleurs. J'imagine que tu te rends devant les gardes. Une fois devant les gardes, on va te demander qui es-tu? Pourquoi tu veux rentrer à l'intérieur de la forteresse de la maison Tyrell? Et qui souhaites-tu voir pour qu'on puisse le prévenir de ta présence. Qui me demande ça? Les gardes à l'entrée de la forteresse. Oui, mais attends, parce que déjà, je vais pas me s'il y a des gardes, je vais pas m'avancer vers eux en premier Oui, lieu. c'est ça, ok. Que fais-tu du coup? Non, non, j'observe en fait à voir la forteresse, les gardes qui, non, les gardes qu'il y a. Et jusque-là, j'avais compté que sur ma tenue. Mais bon, je me dis, les tenues de vagabond, je vais changer un peu la. On va dire un peu le. On va dire la. Un peu. Je vais un peu la changer, ça reste une tenue de vagabond, mais genre, la couleur du cuir, les morceaux rapiécés, tout ça, tout ça. Et cette fois, je me mets un peu l'écart pour me grimer avec mon set de déguisement. D'accord, pour ressembler à quoi du coup? Un voyageur normal, j'essaie de cacher aussi on va dire en froissant un peu ma tignasse, j'essaye de planquer mes oreilles derrière aussi et avec une capuche sur la tête. Non, un petit peu de peinture de poudre de poudre sur la bouche pour un peu la salir. Noircir des dents, donner un effet qui m'en manque, tout ça, tout ça. D'accord, pas mal, ouais, Mais dans une certaine limite, je veux pas non plus être le plus gros crasseux, mais que voilà. Qu'on se dise pas que je suis un elfe, tout ça. d'accord. Et du coup, je vais m'avancer. Bah, c'est là-bas. Le corbeau, il est venu m'informer, en Ah fait, ou oui, pas? pardon. Oh putain, je l'ai oublié, lui. Du coup, tu as reçu. Alors, il t'a pas informé, mais il t'a informé par envoi de message. L'autre. Que je choisisse bien mes 25 mots. Ton individu. Enfin, ton suspect. Ta cible. Voilà, ta cible. Est toujours à l'intérieur de la forteresse des Tyrell. Notre chasseur t'attendra à l'intérieur. Côté marchand. Je pense que ça doit faire 25 pile poil. Et il me donne un nom ou pas? Ah oui, pardon. Il t'appellera et il s'appelle Curtive. D'accord. Ce nom me dit quelque chose ou non? Non. Ok. Eh bien, je me rends là où il m'a dit de me rendre. Bah du coup faut que tu passes d'abord l'entrée principale. Ah, c'est dans la forteresse, le Oui. point de rendez-vous.
Mais attends, parce que je pensais que la forteresse faisait partie d'une ville, mais en fait non, il y a juste une forteresse. C'est une forteresse. Alors, il y a. Attends, je regarde un peu de relief quand même, avant de dire un truc, une connerie. C'est difficile de regarder là. Ah si, t'es en surplomb. Tu verras un petit peu au loin, à quoi? 1 km, 1,5 km, un petit village, qui est le village d'Irflay, mais qui ne D'accord, mais correspond pas à la actuellement. forteresse des Tyrell. Ok. À voir les gardes, il n'y a que des humains ou pas? Alors non, les trois quarts sont humains, mais un bon quart est demi-orc. Alias la plus grande concentration de demi-orcs du royaume. Oui. Ok. Les deux gardes à l'extérieur ressemblent à quoi? Alors, du coup, comme je te le disais, en haut, tous les mètres, enfin tous les 5 mètres, tu as un garde. Tu as une patrouille de deux soldats qui, sans arrêt, tournent en haut, pour faire le lien entre tous les observateurs. Et en bas, ouais, si tu vois deux soldats au pied de la porte qui sont humains, qui sont habillés de façon assez colorée, un peu trop pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils devraient représenter. Ils ressemblent un petit peu à des bouffons, pour être tout à fait sincère. Ceci dit, ça n'enlève rien à leur carrure et à leur sérieux, qui est quand même assez effrayant. OK. Tu vois des gens qui ont vécu pas mal de batailles, puisqu'ils sont pas mal écorchés au niveau de la tronche. Donc voilà. Je sais ce que je vais faire. Oublie le grimage. Enfin, si, je vais le faire un peu, mais pas sale. Juste vraiment changer un peu la tête. Essayer de camoufler un petit peu mes ailes, mais pour plus passer pour un demi-elfe, peut-être. Ouais. Je vois ce que tu Un veux faire. peu, tu sais, des tampons au niveau des joues pour changer, pour élargir un peu, changer la morphologie, tout ça. Et en fait. Putain, c'était quoi le culte de H déjà? C'est Arthur, mais oui, le culte d'Arthur. Avec la papesse, tout ça, Ouais, qu'on avait vu, c'était bien, ouais. c'était ça? Oui, c'est ça. Très bien. Bah, pour avoir vu les symboles des tenues quand on s'était rendu là-bas, je change l'illusion pour que ce soit une tenue d'adepte 2. D'accord. Et avant d'y aller, je sors mon kit de faussaire et sur un parchemin avec une enveloppe que je vais sceller en reproduisant le sceau des Tyrell, je fais une fausse lettre de recommandation de H qui dit à son père du coup. Ouais. Qu'il m'envoie en lien avec ses affaires avec Dame Loraven, alias Mia Gwyn, et que dans le bien-être de ses enquêtes, de leurs investigations là-bas, je dois interroger un mec dont
dont ils ont eu l'information qu'il était ici. Ok. Tu veux me faire un jet de... Alors, je pense que c'est de la dextérité, mais. Un jet de dextérité, puis en compétence, je sais pas trop. Mais après, j'ai la maîtrise des Oui, outils de faussaire. je suis con, je suis pas très bon. Mais oui, fais-moi un petit jet de dextérité avec cette maîtrise-là. C'était niveau. Bon, bah alors attends, parce que du coup, c'est plus chiant sur cette feuille, donc je vais le faire à la main. 16. Ah oui, quand même. Oui, enfin, c'est pas étonnant non plus. Et ensuite, tu te présentes comme ça vers eux. Salutations, messieurs. Bonjour. Qui êtes-vous? Je me nomme Eliriel. Je suis ici. Je suis ici sur les ordres d'une personne que je ne peux pas nommer, mais qui m'a demandé de transmettre ceci au seigneur Tyrell. Et je lui donne la lettre. Vous vous Et moquez de qui m'a nous? expressément demandé et qui m'a expressément demandé à ce qu'il l'ouvre. Vous vous moquez de nous? Eh bien, je ne suis pas contre une bonne blague de temps en temps, mais c'est malheureusement une affaire extrêmement sérieuse, messieurs. Très bien. Alors, venez directement dire que vous venez de la part de H-Tyrell. Nous reconnaissons cet accoutrement, enfin ce symbole surtout. Je vous prie de m'excuser. Messire H n'a pas pris la peine, comment dire, n'a pas eu le temps de m'informer de qui était au courant de sa affiliation. C'est une affaire assez urgente, voyez-vous. Bien entendu, et heureusement que nous avons vu cet écusson, comme ça nous irons plus directement à la bonne personne. Je vous remercie. Du coup, on t'ouvre la porte et le garde en bas regarde un qui est en haut et touche ton écusson qui est sur toi pour qu'il comprenne de quoi il s'agit. Alors, s'il le touche, je me décale légèrement, parce que ça reste une illusion, Oui. pour que Jean il le pointe du doigt plutôt. Mais je fais gaffe à ça, à ne pas le toucher avec mes vêtements. T'inquiète pas, il forcera pas non plus. Mais effectivement, il pointera du doigt. Celui qui est en haut va du coup partir de son côté, mais tu verras pas puisque tu vas passer en dessous, toi. Oui. Et du coup, pendant qu'ils font ça, je sais pas s'il y a des gardes qui sont toujours autour de moi, mais si ce n'est pas le cas, je profite pour, bah, en fait, en rentrant, me diriger là où j'ai mon rendez-vous. Et tu en fait quand tu rentres à l'intérieur, tu fais un ouf de soulagement quand tu sais que tu dois aller voir quelqu'un. Oui. Puisqu'effectivement, tu as des marchands ambulants qui ne sont pas nombreux et qui sont à l'intérieur de petits carrés qui sont tracés sur le sol, qui ne scrupuleusement ne débordent pas. Et tu vois des patrouilles qui sont très nombreuses. Alors des patrouilles et des gens qui sont en garde dans certains endroits. Tu te dis que ils ont un petit peu abusé au niveau de la sécurité dans cet endroit, largement. Et tu te dis qu'effectivement, avoir un contact ici, c'est un truc privilégié. Ça permet de se relaxer un petit peu. Et tu vas assez facilement du coup voir ton contact, puisque tu vois un symbole qui te permet de le retrouver, que seuls les Starangu peuvent reconnaître. Et en plus, enfin, autant dire que l'ordre qu'il y a à l'intérieur de la forteresse fait que tu le vois très
très facilement. Tellement ordonné que tu le vois très facilement. Tu te rends vers lui. Lui, de son côté, bah, toi, t'as aucun signe distinctif pour qu'il te reconnaisse, je crois. Mais il te voit arriver de loin, parce que comme je t'ai dit, comme c'est ordonné, lui aussi, il te voit aussi arriver. Mais lui, il est un petit peu plus circonspect, du coup. Tant qu'il ne sait pas pourquoi tu viens le voir, mais il est un petit peu plus circonspect. Bien le bonjour, monsieur. Puis-je vous offrir quelque chose? Tu m'as entendu du coup? Are you? Pardon, j'étais mute, tu m'as pas du tout entendu en fait. Non, non, du tout. Ouais, non, non, my bad, my bad. Non, bah du coup, comme je disais, du coup, je m'approche vers lui. Ouais. Tu m'as entendu dire ça ou pas? Non. D'accord, ok, très bien. Parce que ce qui est con, c'est que quand je disais ça, ça semblait correspondre tes réponses. Ah oui, bah c'est vraiment du filtre, hein, parce que. Ouais. Non, bah du coup, je m'approche vers lui. Oui. Et en fait, je demande, ah, mais allez, avec plaisir, montrez-moi ce que vous proposez. En fait, en disant ça, en me penchant, en me rapprochant de lui, je chuchote, hein, longue vie au Starango. Oui, puis de toute façon, tu connais l'argot des voleurs, je crois. Oui, aussi. Voilà. Du coup, il te regarde. Bien, effectivement, nous avons de précieuses choses qui pourraient vous intéresser par ici. Et encore une fois, le carré est tellement bien fait qu'il dispose d'une partie de rangement. Un petit peu à l'ombre avec des recoins cachés. Autant dire que c'est l'endroit parfait pour te faire venir et dans un coin sombre et te dire bon ben, je te remercie d'être venu car je m'ennuyais un petit peu. Je m'appelle Vesniozul. Je l'ai dit en une seule fois. Enchanté. Attends, je vais. La personne est-elle toujours ici? Oui, elle est toujours ici. Elle est sortie. Enfin, elle est sortie. Elle est sortie en promenade. Ce matin. D'assez bonne heure, elle était encore enchaînée et encore bien taquinée par les gardes. Donc, à mon avis, encore Je pas loin de vois. partir. Je vois, je vois. Très bien. J'ai réussi à me en m'infiltrant à demander une entrevue avec le Seigneur et je pense avoir un de ses bons passe-droits pour l'interroger. Tant mieux. Tant mieux. Dans cet endroit, tant mieux. As-tu besoin que Si jamais je j'ai. t'amène à l'intérieur de la forteresse ou vas-tu y aller par tes propres moyens? Oh, je vais y aller parce que je pense que si je n'y vais pas tout de suite, ils vont commencer à s'inquiéter. Effectivement, je pense que profite de ton
de ton bagage d'entrée, je reste ici tant que tu n'es pas ressorti. Et je te prierai d'ailleurs quand tu partiras de me le faire savoir afin que je puisse me libérer de ma contrainte. Bien. Très bien, très bien. Je vais essayer. J'avoue que ça dépendra surtout de si les choses ne dégénèrent pas. Si jamais tu entends de l'agitation, dis-toi que ce sera bon. Ok, très bien. Ouais. Sauf indication contraire de ma part. Bien entendu. Je reste à ta disposition et je tiens bonne garde. Très bien. Bon, eh bien, merci à toi. Merci à toi Et aussi. je vais tourner les talons et me diriger à l'intérieur. Tu commences à rentrer à l'intérieur. L'intérieur ressemble à une pièce très austère, extrêmement sobre. Il y a une immense table de bois qui va de part et d'autre d'un grand hall avec une palanquée de chaises autour. Et au bout de cette grande table, tu as un trône qui pourrait être un trône, mais qui est une chaise juste imposante en plein milieu de ce grand hall. Sur les côtés, tu as des gens qui ne sont pas les mêmes, puisque d'un côté de la table, d'un côté de la salle, tu as des gens divers et variés qui discutent ensemble, sans forcément attendre quoi que ce soit. De l'autre côté, c'est un petit peu l'inverse, tu as des gens qui font la queue, qui attendent leur tour. Qui sont beaucoup plus silencieux, qui regardent d'ailleurs ceux qui sont de l'autre côté de la salle, qui se complaisent à rester là, alors qu'eux aimeraient bien partir, mais ne peuvent pas faire parce qu'ils sont dans la queue. Et tu te dis là, heureusement que tu as dit que c'était pressé, parce qu'elle est longue la queue là. Et effectivement, les gardes qui sont censés t'amener directement au père de H. T'attendent à l'intérieur et te disent de les suivre pour rencontrer le père de H. Ce qui ne sera pas sans grognement de la part de la foule qui te verra griller leur place et être largement indigné par le fait que tu puisses passer sans attendre. Je pense que de toute façon tu vas t'en moquer pas mal. Tu vas passer, tu vas aller jusqu'à un premier étage où tu vas rentrer dans une pièce qui est toute la différence du reste de la forteresse, puisque c'est un emplacement qui est chauffé, ce qui n'était pas le cas avant, dans les autres pièces. Une salle où il y a de la couleur, ça c'est juste incroyable dans cette forteresse. Tu verras une personne qui n'est pas habillée de façon soit sordide, soit austère, mais qui est habillée avec des vêtements confortables de couleur bleue plutôt claire. Et une robe de chambre rouge pourpre. Un homme avec les cheveux plutôt courts, la barbe, une barbe entre le noir et un petit peu de blanc, qui n'est pas sans te rappeler bien évidemment certains traits de hache.
Ouais. C'est le plus important à savoir. Qui va te dire, eh bien, bienvenue en cette demeure, cher ami de mon fils. Alors, je ne vais pas te donner son nom parce que je ne me rappelle plus de son nom, donc je me ferai le privilège de ne pas te le dire, mais c'est le père de H. C'est bien lui. Eh bien, mais les gardes disaient que vous aviez quelque chose de très important à me demander. Oui, mais c'est... Tenez, et je lui tends la lettre, du coup. Alors. Messire H m'a envoyé ici afin d'interroger quelqu'un qui serait emprisonné ici, car il semblerait qu'il pourrait avoir des informations sur les... Alors attends, c'est le joueur qui bug. Merde, ça s'appelle comment? Sur un culte auquel H et Le cercle Dame. rouge. Le cercle rouge. Oui, le cercle rouge, oui. Ah. Ah oui, effectivement, je n'étais pas au courant de cette information. Effectivement. Quel est cet C'est pourquoi individu? il m'a chargé de venir ici pour l'interroger, car actuellement, lui, Damiagouine et leur suite sont occupés par des affaires dont ils ne peuvent se soustraire. Effectivement, Elles aussi, en lien avec le culte, le cercle rouge. y compris même pour venir rencontrer sa promise, il n'est pas susceptible de se déplacer. Il vous en a parlé d'ailleurs? Pas vraiment, mon messire. Je ne suis pas intime avec lui, voyez-vous. Non, mais on ne sait jamais, nous. Ok. Quel est cet individu et à quel signalement pouvez-vous en donner? Nous en avons quelques-uns sous la main. Alors, le joueur qui est un peu dans le mal a oublié le nom que tu as donné il y a un quart d'heure. Mais je lui donne le nom en disant qu'il est re très reconnaissable par cette tenue en écaille rouge, justement. D'accord, celui-là. Eh bien, je ne me doutais pas que quelqu'un le demanderait celui-là. Très bien. Eh bien, nous allons vous conduire à lui et à son cachot. Je vous remercie. Et vous le remercierez de ma part, d'ailleurs, pour sa présence qui est fort délectable. Très bien. À tout à l'heure. Ne vous gênez pas pour revenir afin que nous puissions dîner ensemble. Ce sera avec joie, messire. Très bien. Et du coup, il demande aux gardes de t'amener à ton client. Bien, il arrive en bas et quand il m'amène à lui, Ouais. est-ce qu'il nous laisse tous les deux? Alors, du coup, il t'amène. Ça ressemblait à des cachots. D'ailleurs, tu as eu un petit peu peur parce que tu as beaucoup de cachots dans les dédales de ce château, de cette forteresse. C'est un petit peu effrayant. En fait, forteresse, c'est pas une forteresse. Enfin, c'est une forteresse, mais de prisonniers. C'est une grande prison. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont détenus là, de tout genre, dans tous les états. T'as eu un petit peu peur, tu t'es dit, si ton client est là-dedans, ça va être compliqué pour être discret. Fort heureusement, on te conduit un petit peu plus loin dans une très grande pièce qui semble être plutôt une cellule
pour VIP entre guillemets. Et on te dit que, enfin, on te dit que ce client est là. Alors du coup, il le cherche, il le cherche. Et tu vois qu'il tape à une petite porte. Et l'individu sort. Alors, avant qu'il sorte, tu auras reconnu quand même à un endroit son manteau d'écaille, qui effectivement c'est une tête de crocodile qui sert de capuche, et le reste c'est de l'écaille qui, oui, qui effectivement devrait être vert mais qui est rouge. Ce dernier sortira de la pièce et comment te dire que il est dans un accoutrement assez particulier. Ni plus ni moins, hein, pour te dire, il est dans une tenue de bouffon. Et comme il est en tenue de bouffon, du coup, tu verras sa tête, il fera un petit peu de bruit à cause des grelots. Oui, qui je dois amuser, que dois-je savoir sur la personne? Du coup, les soldats étaient Salcon, avance. Tu as de la chance, tu as de la bonne visite pour une fois. Tu vas pouvoir parler sérieusement, ce qui va te changer la vie. Effectivement. Et du coup, je vais rentrer dans le cachot en fermant la porte derrière moi. Ils vont te avec lui tous les deux. Merci beaucoup, messieurs les gardes. Ça devrait aller. Non. Tu verras quand même que quand il s'est avancé, ils lui ont donné quand même un bon petit coup au cul. Un bon coup de pied au cul, comme sur le doigt. Du coup, d'accord qu'ils nous laissent tranquilles tous les deux. Oui. Et ils te Est-ce disent quand même qu'ils sont à la porte si jamais il y a problème. D'accord, mais cette porte, elle s'est complètement fermée. Est-ce que ça l'a insonorisé ou pas? A priori, c'est une grosse porte, donc ça devrait aller. Très bien. Je vais m'approcher de lui en m'abaissant aussi. Eh bien, mon brave. Rappelle-moi, comment tu t'appelles? Je sais même plus si je t'avais donné un nom pour lui. Je crois pas, hein. Bah, il me semblait. Je t'avais donné une description, mais je pense pas que je lui ai donné un nom. D'ailleurs, non, en fait, je dis comment vous appelez-vous, mon brave? Je m'appelle Malibir. Malibir. Bien, Malibir. J'aurais une série de questions à vous poser. Oui. Oui. Très bien. Commençons par des questions assez simples. La raison pour laquelle vous êtes là, c'est parce que vous souhaitiez vous rendre aux rues, c'est ça? Ben, j'y suis. J'y suis à ma façon. Mais C'est vrai. effectivement, je n'avais pas forcément choisi cette condition. Je vois, je vois. Mais pourquoi vouloir se rendre aux rues? Eh bien, je devais aller retrouver des compagnons de l'autre côté de la forêt. Nous devions faire une grande fête. Eh bien, je crois que je l'ai loupé, la fête, et que désormais je suis le dindon de la farce. Est-ce que j'ai besoin d'un jeu de perspicacité pour voir qu'il me ment?
hein, quand même, pour voir le degré de. Ouais. Putain, il n'y a qu'un seul chiffre. 9. Bon, tu sais quand même avec le 9, tu sais quand même qu'il n'est pas franc. Sais pas qu'il te ment, mais il n'est pas franc. D'accord. Ok. Excusez-moi, je peux également vous poser une question en retour ou est-ce que vous êtes seulement là pour me poser des questions? Ma foi, allez-y. Vous travaillez pour qui? Ça ne se voit pas mon accoutrement. Pour le temple d'Artir. Bien, oui. Ça se voit au symbole. À votre tour. Non, mais en fait, vous savez, on va peut-être accélérer un petit peu les choses. Bien. Est-ce que le noir sceau ou le cercle rouge vous parle-t-il? Le noir sceau est un très grand culte qui rend honneur à une façon de percevoir la vie. Pendant qu'il parle, je l'attrape pas par la gorge, mais vraiment, c'est je mets vite ma main autour de sa gorge, en fait. Histoire vraiment d'avoir le majeur autour de la jugulaire, le pouce autour de la carotide, mais je ne serre pas du tout. Ça, si je fais ça, c'est uniquement pour avoir vraiment les doigts sur les deux artères et sentir son pouls. Et tu verras que lui n'a aucune réaction. Il te laisse approcher son cou et mettre tes doigts. Par contre, tu verras sa tête qui change de la personne qui a l'air de vouloir discuter de façon cordiale à quelqu'un qui, tout d'un coup, en te voyant te rapprocher et lui toucher la gorge, révéler un visage beaucoup plus ferme, beaucoup plus froid, voire un petit peu capable de réagir méchamment. Même si, bon, après, tout dépend de ce que tu entends par méchamment, mais bref. Oui, bien sûr. Je propose que, comme j'ai dit, qu'on accélère les choses et que vous parliez un peu plus sérieusement. Vous voulez savoir ce que c'est que le cercle rouge? Vous voulez Oh, je veux savoir pourquoi le cercle rouge voulait traverser les forêts du Rue pour aller Eh du bien côté? là, on parle. Oui, je vois que vous voulez accélérer le mouvement et que vos questions tournent autour de ça. Eh bien, allons-y, allons directement droit au but. Nous devions retrouver des amis Matej avec Je lesquels sais nous qui est avons. Matège, pardon. Alors Matej, non, pour toi c'est assez flou. Matej, c'est quoi? D'accord. Du coup, tu lui poses la question quoi? Je le laisse pas parler, donc il D'accord. peut finir avant. Nos chers amis de Matej, qui sont venus exprès pour Alarion, et bien entendu en tant que
Le représentant honorable d'Alarian, nous devions d'aller les accueillir et leur proposer notre soutien ou du moins notre coopération en tant que bons voisins. Je vois, je vois. Concrètement, quelle était cette coopération qui était demandée? Vous en demandez beaucoup trop. Je ne suis pas sûr d'être totalement disposé à vous répondre. Nous rentrons dans un sujet qui peut causer la mort de tellement de gens. Si vous étiez au courant, ce serait dommage quand même de voir tant de pertes pour de si inutiles réponses. Oui, parce que vous allez me dire que vos activités sont là pour qu'il y ait moins de victimes, peut-être. Je vois que je n'ai pas besoin de vous poser davantage de questions pour avoir davantage d'informations sur ce que vous savez. Ainsi, vous savez ce qu'est le cercle rouge. Très bien. Je vois qu'on avance vite tous les deux. Effectivement, nous ne sommes pas du genre à épargner de simples citoyens d'ignorance de ce qu'il faut pour qu'un royaume tienne. D'accord, ça je m'en branle. Ça je m'en fous. Cette territoire qui s'est établi de l'autre côté des montagnes. Quelle aide deviez-vous leur apporter? Il semble ne pas vouloir te répondre. Il semble être rentré dans une sorte de petit silence. La main avec laquelle je touchais la carotide et le très vite remonte sur sa bouche. Je pousse contre le mur sa tête en maintenant sa bouche et je sors du coup une dague que je lui mets sous la gorge. Je crois que tu ne m'as pas bien, que tu n'as pas bien compris. Non. Tu vas me répondre. Je libère et je libère en fait sur la main de sa bouche, genre, j'écarte juste légèrement les doigts. Très bien. Nous devions retrouver Tomatejoa, des druides nécromanciens. Pour Où vous attendent-ils? Eh bien, ils nous attendent. Il faut que je me mette sur le cap parce que Excuse-moi, t'es un. J'ai. T'as. J'ai. J'ai un petit peu de. Si je change de carte ou pas, parce que du coup, je vais donner des noms de lieux. J'ai trois cartes de rue, moi. Gribouillis dessus. Mes flèches. C'est ça mes flèches? Non, c'est pas ça mes flèches. C'est ça mes flèches. Nous en avons un à l'est de Tourlechaîne qui se trouve dans un ancien tombeau de la dernière guerre. Nous devions aider celui-ci à réveiller nos anciens combattants. Nous en avions un autre que nous devions rencontrer à Touriwen.
peu en retrait. Nous devions savoir quels étaient ses ordres. Il y en avait un qui est plus loin, qui commandait une gigantesque armée de morts-vivants. Et nous devions du coup faire les guides afin de leur indiquer le meilleur passage pour venir visiter notre beau royaume. Par où arrive-t-il? Mets la main sur et tout ça et en fait et en fait je lève un peu le menton avec la lame de la dague. Eh bien, il devait traverser la forêt du Ru, bien entendu, et il est un peu. Il a dit qu'il arrivait d'où? Au nord de Touriwen. Non mais avant de Touriwen, il arrive d'où? Le druide avec son armée. Ils arrivent de l'est, des montagnes. Je vois. Très bien. Mais bien entendu, et ce ne sont que des touristes qui ont voulu visiter Alarion et qui, à force d'attendre, en sont vouloir Je visiter. serre carotide et jugulaire. Je relâche quelques secondes après. Vous appréciez pas l'humour. Autre question. Pourquoi t'être fait prendre? Quel intérêt? Que je sois un véritable bouffon, dans le sens où si j'avais été un petit peu moins caractère, je t'aurais fait embarquer et après, Ça. oui. Très bien. Et tes compagnons, où sont-ils? Eh bien, ils ont été faire le travail pour lequel j'ai été missionné, comme nos invités. Très bien, très bien. Maintenant, passons à une autre question, une autre affaire. Où se trouve-t-il? Est-ce qu'il ment ou pas? Non, ils ne m'ont pas. Tête coque. C'est où ça? C'est au Talban, c'est la forteresse que. Enfin, c'est le lieu que Tempeste a été visité. Il les a pas trouvés là-bas? Mais si, justement, il a. Enfin, ça, toi, Ah. toi tu le sais. Eux, ils le savent pas forcément, là, mais. Bah du coup je souris après une... Je vois. Il y a quoi de marrant? Oh. Tu la prendras tôt ou tard, j'imagine. Et toi, d'où viens-tu? Je viens d'Allemagne. En gros. C'est là où était le... Bon. Non, je suis bête. Mais je me suis complet dans mon cercle de Nilénor. Ni l'ignorant, j'ai d'infos, est-ce que quelqu'un est là encore? Est-ce que tu l'as vu ça? T'as pas entendu parler de Kussosil, toi? Qui? D'accord, très bien. Tu avais su, de par le grand souk auquel tu avais posé des questions, que le noir sceau avait une petite cellule au niveau de l'île et que certains d'entre eux étaient xénophobes. Donc ils se rapprochent beaucoup du cercle rouge. Enfin, ça sous-tend que c'était. Déjà chargé du coup. Ah oui, non, mais c'est oui, c'est plus aux îles. C'était pas le chef du culte de. Le culte du noir Merde. sceau
Annelino Laurent ou Frelambin, l'un des deux. Ah, plus aux îles, c'est le morceau. Dans la zone Dragonlin, Flamelin, Oui, ça n'a rien à et ça n'a a priori pas lui le grand chef du cercle. D'accord, ok. Mais le grand chef du cercle rouge, en fait, il est mort, du coup. Ah bah Il s'est oui. fait tuer par... Ouais. Eh bien, sache, mon grand, que tu vas dire ici un sacré bout de temps, je pense. Et ça m'étonnerait que quelqu'un vienne un jour t'aider. Et j'attendrai. Oh. Ton ordre a bien d'autres problèmes, crois-moi. Il est occupé, certes, mais il vaincra. Il lui faut un nouveau chef pour ça. Pourquoi? Car j'ai ouï dire que le héros Tempest Fulgur s'était déjà occupé de lui. Ce salaud de la Dragonstorm se serait chargé de notre chef et pour raison. Corroi? Je crois que vous avez compris. Du moment où vous menacez les gens, pour que les gens que des êtres cherchent à défendre se souviennent toujours des gens pour se charger de vous. Vous parlez comme des. Comme sans ces bonnes qui croient vous battez pour le peuple pour de bonnes idées. Ces foutus starons pour donner aux pauvres avec de belles idées. Et nous représentons le royaume d'Alarion, nous représentons son identité. Nous ne cesserons jamais de nous battre. Et vous représentez le royaume en faisant venir ici des ennemis séculaires pour qu'ils se fassent envahir et dévaster? Nous devons effectuer une purge, non pas de mort, de ces vivants. Ne t'inquiète pas, la purge, elle va avoir lieu, mais pas du tout, je pense. Parlez de moins en moins comme un starango tout d'un coup. Je me lève. Quand même, par politesse, je mets un coup de pied dans ses dents. Tu vois qu'il le. Alors, il le réceptionne de pas bonne volonté, mais il le réceptionne de toute élégance. Il ne réagira pas. Je la promouve. Du coup, on tourne. Et tu verras que l'arrière fera semble de faire tinter ses grelots. Et. Au revoir, le bouffon. Je dis au garde, si jamais il le voit, sa tête en sang. Vous devrez faire attention au nettoyage de la cellule, hein. Il a glissé pendant l'interrogatoire. Tu en as. Alors, t'en as un qui va te chatouiller ton illusion. Puisqu'il y en a un Bah... qui va tenter de faire une petite tache sur l'épaule. Après, je suis pas nu, il y a quand même des vêtements dessous, Oui. donc peut-être son ça semble du tissu, parce que c'est du cuir, mais tout c'est une nappe et qu'il a des gants quoi, en fait. Oui. Il te dira, t'inquiète pas, tu peux l'aider tant que tu veux. Le Seigneur, mais je vous préviens tout de même. Je vous conseille de ne pas l'emmener en balade. Il est beaucoup plus dangereux. Qu'il ne le laisse transparaître, traître à la. Je laisserai le soin au Seigneur de divulguer ce qu'il juge, mais soyez sans lui. Regarde, qui découvrait quelque chose d'un coup là. Très bien. Dans la nos ordres le concernant. Avant d'aller voir le Seigneur, j'aimerais voir l'intégralité de ses effets personnels qu'il avait sur lui avant de se faire arrêter. Du coup tu l'autre qui re-rentre à l'intérieur.
Tu vois que bah je sais pas si tu restes un petit peu le temps de voir ça, parce que ici la plaire pour voir. Et Ouais. qu'en fait il va prendre tous les vêtements qui ressemblaient au descriptif du mec, enfin qui servait à décrire le mec. Il prend tous les vêtements, pantalon, veste, manteau, haut et manteau. Donc en gros le mec il lui reste plus que sa tenue de bouffon. Et l'autre du coup t'amène au bout du couloir, va chercher une vieille boîte en bois et te montrer du coup l'épée lente. Donc voilà les effets. Très bien, très bien. Avec le genre, les vêtements, quelque chose de lié, la facture, pareil pour les armes, et s'il avait une bouche des papiers pour lui. Tu as une bague suivie du. T'en verras pas qu'une. L'effigie du noirceau. Tu as plusieurs papiers, des parchemins, semblant être des lettres de recommandation, comme toi tu as pu avoir de ton côté. Est-ce que, avec mon expertise, je peux me demander si ce sont des vraies ou des fausses? Il y en a une particulière qui va te choquer, qui est parce que tu sais la lire. Dans un piège qui est celui qui appartient à l'argot des voleurs. Donc on peut dire que ce gars, quelqu'un qui du cercle rouge, tu te dis que c'est exagéré quoi. Est une lettre de recommandation que tu vois rapide, enfin plus ou moins tu arrives à lire que c'est une lettre de recommandation qui dit que c'est un Starango émérite qui met de disposer des informations de la guilde quand il le demande. Toi tu n'as pas besoin, mais il en a besoin de ça. Peut-être que ça a de documents. T'as une lettre du noirceau qui est écrit en commun, qui revendique le fait que cet individu est un agent du culte et particulièrement membre du Cercle Rouge, résident du coup au temple de Nilinolorant, sous les ordres de Custosil. Et sur les autres chemins, tu auras une demi-heure pour aller trouver un nécromancien. Alors, est-ce que ça va être écrit comme ça? Je pense que toi, tu vas le comprendre que c'est les trois nécromanciens. Sur le papier, ça va certainement être marqué retrouver les trois druides. Et toi, Après tu vas comment? faire rapprochement, parce que lui, tu as parlé de trois druides, tu fais le rapprochement. Et écrit en. Alors, c'est pas écrit forcément en commun. Je pense que du coup, ils vont avoir utilisé l'argot des voleurs, l'argot des Sarongos, pour la vague. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a un autre document important? Non, pas d'autres. T'auras d'autres babioles qui livres de marchandises. Peut-être d'ailleurs, tu verras peut-être un papier qui te t'interpellera sur des marchandises devant être fournies. Ça fait lien avec ce que tu sais déjà. D'accord. Peut-être que tu verras une lettre justement sur cette livraison. Bah non, sur la plupart des documents, tu verras la de cet individu où tu verras qu'il le dessine très rapidement la signature d'un dragon que tu reconnais puisque tu l'as vu en tatouage à Henley. D'accord. Okay. La bague, t'as dit quel symbole sur elle? Celle du noirceau. Ok.
Est-ce que la lettre de recommandation en go, il est parce que la recommandation dit. C'est marqué en France Lyon d'où est Dominique Tarango. Pour être honnête, il y a quelque chose de signature qui t'attend. J'ai hâte d'avoir la signature de Domis Tarango. C'est extrêmement bien, mais qui sont autres que ça. Signé Tarango, pas Domis Tarango. Ou alors peut-être un. Et, donc ça, Dogo, déjà, ça met la puce à l'oreille comme quoi ça soit pas une vraie signature. Donc ceux qui se sont fait avoir par cette lettre, ce sont vraiment des crétins. Après toi tu parce que oui, mais peut-être que tous les gens qui te ressemblent. Je vois. Déjà, les mecs en face là, ils me voient juste mettre dans ma poche la bague et les papiers. Messieurs, j'ai une, deux, trois petites questions à poser aux prisonniers. Bien sûr, n'hésitez pas. J'y vais. Calme, le plus calmement du monde. De ces filles, son fond de teint qui est pas loin. Visiblement, tu veux m'en casser. Est-ce qu'ils ont fermé la porte? Ils ont fermé la porte. Et ils ont fermé la porte en rigolant d'ailleurs de leur côté. Enfin, en ricanant. Je sors la lettre, Star. Tu m'as dit d'être honnête tout à l'heure, alors je vais. Qui choisit? Notre maître a annulé nos lois. Te trouver une preuve de sa culpabilité. D'ailleurs, il le fier. Je me levais par de la pierre. Tu vois me casser deux ou trois dents en plus? Ben, bonne journée quand même, hein. Avant de sortir, je le regarde, un air pensif. Je lève les yeux un peu comme si je comptais. Cinq ans. Dans 5 ans, tu viendras me péter les dents? Non, pas de péter les dents. Juste revenir et voir cet endroit pour voir. Je vois que tu es Allez. vexant. Allez. Allez, j'y vais avec un grand sourire. À dans 5 ans. Et je sors. Tu remarqueras quand même qu'il te répond pas à ça, quoi. Oui. Bien. Je vais retrouver le Seigneur. Venant de sa pièce, tu entendras peut-être un petit cri de frustration. Où vas-tu maintenant? Alors, rejoindre le Seigneur. Alors, mon cher ami, as-tu eu des questions intéressantes? Seigneur, je ne ferai que vous conseiller sur la marche à suivre, mais jamais que ce prisonnier ne revoie la lumière du jour et ne quitte sa cellule. Mobok avait cette impression et son lieutenant également. J'étais pas d'accord, il me semblait complètement inutile de le préserver ici. Mais maintenant C'est que vous un me le dites, traître au royaume. un traître à un royaume, comment ça? Le cercle rouge a. Le cercle rouge a permis au. Elorien, merde, c'est comment déjà? Laurent. A permis l'or de Trianon. Et cet énergumène compagnon avait pour mission de les aider dans leur tâche. Parlant des druides. Du coup, En lui parlant du dans la lettre au fur et à oui, mesure qu'il la lit. okay, très bien. Et ce ne sont des druides, mais des nécromanciens, dont un qui va rentrer avec une main en alarme.
être avec vous, André Neva, pour de ce genre de danger venant. Je lui ai envoyé quelques soldats pour ses noms. Et que les réponses m'arrivent beaucoup plus vite que prévu. Je suis vraiment désolé. Si tu veux qu'on fasse descendre le lien, on fera, et tant pis qu'on monte disposé. Oui, C'est truc, c'était par rapport à ce qu'on était, à quoi il ressemble. Est-ce que... non, il n'y a pas de problème. Ok. Ces deux une femme, Inolo. Alors, leur nom. Lui se faisait connaître, enfin lui, celui à qui tu poses la question là, s'appelait évidemment Malibir, mais son nom clair c'était Malibir Tête de Croco. La fille de ce côté s'appelait Sina Onius, c'était son frère, et s'appelait Poulo. Le frère de qui? De Sina. D'accord. Et le cercle rouge avait la même mission que lui. Le frère est heureux, le sœur est juste là en protection du frère. Mais elle savait pourquoi? Oui, elle savait. Très bien. Ce sont des quoi? Ce sont des êtres humains, comme moi. Très bien. Mais ben du coup, à quoi il ressemble? Elle, de son côté, a des cheveux plutôt et des yeux ambrés, avec tantôt une armure de plaque et tantôt une armure de cuir, donc, la circonstance. Et elle porte à ses poignets de nombreuses bagues, qui sont des fausses bagues, hein, des bagues. Donc, a priori, pour toi, ça devrait assez facilement se voir. Polo, de son côté, est un individu avec les cheveux un petit peu plus, entre guillemets, un petit peu plus brun. Il a les yeux bruns également. Lui, il est en armure de plateau, en robe. Robe de magicien. Elle a encore des bleus. Les portes. Il porte une épée longue et il a également vu la seconde fois qu'il pose la question, et même que tard, il te dirait qu'il a un petit familier invisible la plupart du temps et qui par moment apparaît. C'est un petit diablotin. Ok. Très bien, très bien. Quelles sont leurs aptitudes? Est-ce qu'ils sont des combattants ou pratiquent-ils la magie? Pour son côté est un adepte de la nécromancie, il manipule ce type de magie. Il a pas lui-même, il est autodidacte. Elle, de son côté, a toujours été émerveillée par les capacités de son frère. Et hormis ça, elle est même capable, elle est même pas capable de se battre, pour être tout à fait sincère. Mais parce qu'elle est douée en évasion. Et qu'est-ce qu'elle est douée pour se dissimuler partout où elle passe, malgré ses gros. Bien. Et donc du coup voilà, on peut revenir avec le Seigneur, j'imagine. Que devons-nous craindre de ces individus? Je ne sais pas à quel point ils peuvent être puissants, dangereux. Mais attends, d'ailleurs, il y avait que Il n'y avait que le mec qui s'est fait attraper, être recalé, ou en passage, ou les autres aussi.
Les autres ont suivi jusqu'à la montée Tyrell, mais eux ont eu le droit de partir et libérer, contrairement à bien. Les autres, ils m'ont pas dit qu'il repasse. Sont pas revenus en sens inverse. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Eh bien, ça dépendra. Je pense que le vrai danger, ce serait les druides en question. Mais Ils disposaient d'armations porte-royaume son fonctionnement. votre fils a dû vous informer que le cercle rouge est un obstacle, mais qu'il n'est qu'un engrenage dans tous les malheurs qui arrivent à Alariant en ce moment. Mais nombreux problèmes, oui. C'est inespéré que tempête. Puisse en être traité éventuellement, enfin, par compassion. Nous ne l'avons pas venir tout ça. Ou nous n'avons pas vouloir. Ça fait quelque temps malgré tout que Mobok décelait des dysfonctionnements. Il n'a pas été vraiment écouté. Et il avait, comme la matérielle a toujours eu beaucoup de travail dans les ruines, mais pas forcément suffisamment inquiété pour tout. Des ragots et des incivilités. Vous me demandez ce qu'il prévoit des scriomes. Messire, je pense que oui, vous connaissez la guilde Starango. Je ne sais pas si le fils vous a fait parvenir les informations récentes que j'ai. Il semblerait que les Stangos ne puissent pas être considérés comme des individus fiables. Pas tous de mauvaises personnes. Mais que la guilde Stango est, paraît-il, gangrénée. Finalement, nous ne pouvons plus leur faire confiance. Oui. Mais, pour à vrai dire, ce sont nos ennemis du coup, nous ne leur faisons pas confiance jusque-là non plus. Depuis leur exploit au niveau de la forteresse d'Achandir et Kalepa, nous sommes prêts à reconsidérer notre vision des termes. Nous Oui, devons mais être rassemblés autour d'une table pour en discuter, franchement. en regardant, est-ce qu'il dit ça un air de quelque chose ou? C'est entre le mec qui va couper quelques mains et le mec qui a envie d'en récupérer un peu de nom. Genre, c'est pas à mon attention qu'il est. Non, c'est pas intention. D'ailleurs, tu vois assez mieux que pour lui, tu n'es pas rendu. T'as un emblème sur toi qui te permet de soulager. Sire, il va falloir que je reparte. Je vais directement me rendre à cet endroit pour aviser de mon geste si tu veux que je voudrais de prendre ceci. Du coup, c'est une lettre cachée. Je vous demanderai simplement d'attendre une ou deux heures avant de l'ouvrir. Je ferai. Eh bien, messire, si c'est possible, je vous redonnerai des nouvelles quant à cette affaire ou, eh bien, messire H vous en fera parvenir. Bien entendu, nous attendons. Au revoir. Au revoir. Et bonjour à fils quand vous voulez. Je n'y penserai pas. Donc, sort. Je Très bien. Des informations. vais te dit. Écoute, la nature, hein, la fausse signature. Oui.
Effectivement. Il On en a toujours vu des. exactement. Il faut très attention à transmettre ces informations, mais oui, c'est de faire parvenir à l'admin qu'on se sert de son nom encore. Mais si elle s'est maladroite, on n'est pas à l'abri d'avoir un expert qui les aide pour en faire convaincre. Il dira que il avait noté pas lui même, mais on avait noté côté de Neva entre autres que quelqu'un faisait ses sculptures. Alors après comme le Tarango c'est quand même une guilde et quand usurper la guilde en faisant des fausses signatures c'est un petit peu les voleurs, les voleurs qui se font voir du coup pas non plus totalement impossible ni totalement inconcevable. Donc on a remarqué cette fausse signature. On a tenté de faire une circulaire où les plus guéris les moins avec. Mais évidemment on savait que quelque chose s'était fait voir. Enfin, ça avait été ici pour ça, impossible de vérifier le problème. Et que effectivement, désormais que nous savons que c'est le noir sceau qui joue à la ligue de Star Wars, ce sera facile au 2000 de résoudre. Temps, nous sommes une tempête, Estarango, au niveau du royaume. Nous devons faire attention à ne pas jeter l'opprobre sur l'ensemble du morceau et faire la différence entre les mauvais et les bons du morceau. Mais après, dans sa forêt, il va faire son bruit comme si de rien n'était et observer comme si de rien n'était. Je pense que tu vas lui dire, tu vas repartir sur les champs. Mais une idée aussi de fournir une lettre Ouais. à qui accompagne. Lui dire que je suis désolé, j'ai pas eu problème. Lui parler de cette affaire que je me suis introduit en me faisant ces gens pour perdre temps. Mais que j'ai déjà prévenu son père dans ma lettre que j'ai laissée au elle. Mon blast, de cette manière, on s'est séparé justement pour régler des affaires avec le Cercle Rouge et les Starango, mais que il s'est loyaux à être qui participe à sa chute. Sont prêts à l'aider lorsqu'il en a s'il en a besoin. Et je te propose alors si tu sens prêt, je te propose de rester ici. Je pensais pas qu'on serait allé jusqu'à minuit. Ok, très bien. Bien, Est-ce bien, que tu bien. veux que je te dise ce que je vais faire après ou pas? Oui, ce que tu veux faire après, oui. Comme ça, que je prépare. En fait, je veux me rendre à Tour-le-Chêne pour aller voir les druides. Mais je vais tenter un chemin. Je vais tenter un raccourci en fait. Je veux qu'il traverse la forêt du Ru. C'est là qu'il va que je le carte. Mets-moi sur l'autre carte. Ah. Il y a la carte à l'extérieur de la forêt et il y a les cartes à l'intérieur de la forêt. Et du coup, pour aller à Tour-le-Chêne, je souhaiterais du coup partir à la forteresse. Parce que la forteresse, en fait, c'est Bors, non? Non, la forêt au deux. Parce que du coup, je vais me diriger jusqu'à la rivière et je sais pas la longueur et si j'ai des gens comme ça. Voir si je vais monter, si moi. Et dans le sens pas, en loup la feu. Je suis un elfe, il y a l'habitude de descendre. Bien sûr. Alors en fait les seules consignes hein, qui vont c'est des bottes et pas le train. Le reste tu peux rester habillé. Voilà. Le truc des habits de tissu c'est principalement fait pour faire chez les humains. Et eux, me déplacent sur tes. Si c'est pas le cas, je le fais. Voilà. La référence n'est pas là, effectivement, ça aura une avec elle, ça n'a aucune. Très bien, très bien. Comme ça, la consigne est d'aller à droite de la rive à gauche. Pour savoir, gauche c'est maudit, à droite c'est gardé. Comme ça, t'as mis. À quand de Descendant le fleuve là,
On te dit de tenir sur la rive gauche. Parce que là, enfin, jamais sur la gauche, c'est maudit. Et à droite, c'est gardé. Problème, on pourra citer. Je régène mes informations. Pour le retour, mais je pense pas, c'est quand même avec dire qu'on faisait des 3 mois, mais en fait, il fait des petits voyages, donc ça va. Ouais. Un peu... Dépend. Mais en fait, moi dans ma tête, Des je embardées me à dis gauche, que oui. je me dis qu'une chance qu'il soit pas encore arrivé à Tour le Chêne, alors il doit arriver à moi, mais je pense qu'il soit encore, mais pas, hein, tu vois. Et voilà. C'était l'autre, c'était un Miss, je sais pas, je l'ai Ouais. appelé Libyen. Hein. Oui, c'est l'humain qui. Est-ce qu'il avait un masque? Non, mais par contre, son mot est vraiment un disant qui se voulait être un disant de son. Pas fait, Parce que très bien. mais on voit Ok. qu'il avait certainement loupé son origine et il avait un moyen de changer d'origine. Arrivé là-bas, je retire sa tenue à lui. Et avec mon aigle de décimant, avec ma mouche, juste un peu. Je changerais juste la morphologie. Est-ce qu'on faisait quand même taille? Il y avait une grosse différence. Vous apprenez une table. Je le dis, j'aurais mis une moyenne. Enfin, je sais pas où c'est écrit, non. Tout en bas. Il n'a pas copié. Mais j'étais environ 1,70 m-1,75 m dans ces eaux-là. Et lui, j'étais dans les 1,4. Avec un peu plus Bon. d'arrière, mais bon, en soi. Je mettrai des talons. Exactement. Et d'ailleurs, c'est. L'autre chose qui était un petit peu inquiétant dans ta intervention, c'est que un mec ici, qui se promène avec un individu qui manipule les sorts de nécromancie, est quasiment hérétique. Petit peu hérétique. Pour ce genre de choses, le noirceau non seulement le considère un blasphème, il le scie en place publique. En tout cas, tu auras un prisonnier qui un bouffon, qui avait un caractère de merde, et qui a fait son sort quelque part. Du fond, ça fait pas mal. Ok. Bon, en tout cas, si on s'arrête là, je vous souhaite une bonne nuit. Ouais, bonne nuit à toi et puis Et je vais te donner une prochaine fois. Hein. ouais, à la semaine prochaine. Bah, Ouais. mardi. Voilà, non? Pour avec Pas Cinder. je Bah, pense. mardi. À mardi. Allez. Salut, ciao.
I hear you go again, you say you want your freedom. Ces deux questions. Pour au moins 1000 raisons, mais de ces 1000 raisons, il y en a une qui est de toutes les autres. Il est absolument hors de question que pendant plusieurs mois, un bébé chie dans mon ventre. Ça n'arrivera pas, ça compte. Et après, c'est supposé respecter ta mère alors que tu as tellement chié dedans. Ne peut pas tomber enceinte, c'est hors de question. Pour au moins 1000 raisons, de ces 1000 raisons, il y en a une qui est au-dessus de toutes les autres. Il est absolument hors de question que pendant plusieurs mois, un bébé dans mon ventre. Ça n'arrivera pas, ça compte. Et après, ça t'es supposé respecter ta mère alors que tu l'as littéralement chié dedans. Ne peut pas tomber enceinte, c'est hors de question. Pour au moins 1000 raisons, mais de ces 1000 raisons, il y en a une qui est au-dessus de toutes les autres. Il est absolument hors de question que pendant plusieurs mois, un bébé chie dans mon ventre. Ça n'arrivera pas. Et pourquoi t'es supposé respecter ta mère alors que tu as littéralement chié dedans? Ne peut pas tomber enceinte, c'est hors de question. Pour au moins 1000 raisons, mais de ces 1000 raisons, il y en a une qui est au-dessus de toutes les autres. Il est absolument hors de question que pendant plusieurs mois, un bébé chie dans mon ventre, ça n'arrivera pas. Et après, ça t'es supposé respecter ta mère alors que tu as littéralement chié dedans. Ne peux pas être enceinte, hors de question. I don't speak Portuguese. I can't speak English.